La première cuve s'est répandue sur la chaussée et maintenant nous avons des véhicules qui arrivent pour pouvoir transférer le liquide dans une autre citerne. Vous êtes inquiet de cette situation, non ? Un petit peu, nous sommes très inquiets, surtout c'est pour la pollution de la rivière qui est en contrebas et pour lequel beaucoup de riverains ont commencé déjà à se munir de barrages pour essayer de filtrer et retenir l'hydrocarbure.